Yo, what's up, Jack? What up? You ready for your little lesson tonight? Man, you ain't gonna teach me nothing. I'll be the one doing the teaching tonight. You're delusional. I don't know what I gotta do for you to see you ain't got nothing on me. Yeah. That's a good one, Jack. I'ma prove it again tonight. Really? Yeah, prepare to be embarrassed, man. So what's up? What are the stakes, man? Okay. All right. Most likely I'll be guarding you, so I say we make it personal. Most blocks and steals wins. The loser has to carry the winner's kicks into the locker room afterward. Done. We all know you're the most one-dimensional player in this league. You're basically giving this one to me. Yo, check it out, dog. I ain't giving you nothing. But the shots I'm gonna be stuffing in your face. Better get ready. That's a good one, Jack. Yo, if you even get one, I'm gonna be shocked. Better get ready. Whatever. Better get ready. Hey, here we go. Playoff time, baby. This is our time to shine. Our time. Our time. It's on. Eh ouais, les mecs, on est chaud. On a la patate. C'est les playoffs. Enfin. Ils sont là. On est contre la Nouvelle-Orléans, vous l'avez vu, avec notre rival. On est passé à la fin de la saison tout juste à l'égalité de victoires et de défaites avec les Spurs qui sont passés deuxième. Et donc nous, on est contre la Nouvelle-Orléans qui sont sixième, qui ont fini donc sixième la conférence Ouest. Et voici le 5 de départ avec Holiday, Gordon, O'Neal en pivot pour la Nouvelle-Orléans. Et on a également Evans et Anderson. Ellis qui n'est pas dans le 5 des parcs mais qui va très vite rentrer dans les matchs. À chaque fois c'est comme ça. Et de mon côté, on a toujours les mêmes dans le 5 des départ. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques petites choses sympathiques dans les chaussures que j'ai faites depuis la dernière vidéo, tout simplement. Alors, on commence tout de suite avec Bledsoe qui a fait perdre le ballon. On passe par moi ici. Est-ce qu'on va essayer de percuter? On passe la gauche. Oui! Et c'est rentré ce panier en percussion et en finissant en layup. Et ici, je vais faire le ballon. Allez, Bledsoe. Un écran pour Bledsoe. Bledsoe qui fait l'écran, qui passe par Thompson. Thompson qui finit cette action. On monte le ballon tranquillement. Allez, on jump shot. Et ça rentre. C'est bien joué. Je prends Tyson Ellis à l'entrée, je vais en dribble. Ouh, et le premier dunk de ces playoffs. Avec un très beau dribble sur Tyson Ellis qui a pas pu suivre. Et derrière, je claque un dunk. Je vais essayer de faire Tyson Ellis à 3 points. Tyson Ellis trop loin. 3 points, c'est planté. Le ballon ici pour Bledsoe. Turcalou tout seul. Allez, Turcalou à 3 points. Turcalou aussi qui met ses 3 points. Ce ballon avec un écran avec Maurice. Il y a l'écran de Maurice. C'est beau pick and roll. Oui, enfin le pick and roll qui marche. Beau bel écran. Oh, le ballon qui est chippé, c'est bien joué. Allez, je suis parti en contre. Je suis parti. Pouh. Et le gros dunk en contre-attaque. C'est très bien joué. Et on finit avec un dunk. Gordon, je dévie ce ballon. Et oui, on a ce ballon, Plumlee, qui la met très vite. Allez, on va au dunk. Boah, et un nouveau dunk. Pour finir cette nouvelle contre-attaque. On finit bien ce premier carton après avoir été mené au score. On est toujours mené, mais on a refait un peu trop tard avec ces deux contre-attaques. Et le contre sur Jackson Ellis. Le contre, allez, je passe pour Thompson. Oui, c'est rentré. Thompson, et voilà, on revient à un point de la Nouvelle-Orléans avec ce panier de Thompson. Et ici, je me suis fait sortir dans un mi-temps, j'ai rien à 3 points, je suis tout seul à 3 points, et c'est dedans, et on passe devant au score. Allez, Holiday, décaisse ce ballon, j'ai failli chipper ce ballon à Ellis, je suis dessus, oh là 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 là, le panier qui rentre alors que j'étais dessus. Bledsoe. Oh, belle fin de tir, j'ai au panier. Ouh, bon. Très 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 beau dunk avec une fin de tir. Ellis qui
qui part comme un nouvel air. Le du gros dunk de la main gauche. Avec la faute, la possibilité de rajouter un point supplémentaire sur la ligne de Saint-Franc. C'est dedans. Et si je passe pour Torcalou. Un écran pour Torcalou qui percute bien. C'est bien joué ça, Torcalou, belle percussion. Il essaie de percuter, il n'y a pas de possibilité de presser à deux. Je reviens par Torcalou qui est tout seul. Torcalou à mi-distance. Torcalou, c'est bien joué. Ouf, très très mauvaise passe par moi, j'ai perdu ce ballon, ça peut aller vite derrière avec Laurent Orléans et le Aleyou pour Aminou. C'est bien joué de la part de la Nouvelle Orléans, belle contre-attaque. Et c'est la fin de cette première mi-temps, 48 partout. Première mi-temps assez mouvementé, très intense ce match avec on sent tout de suite qu'on est en playoff, la Nouvelle Orléans joue plutôt bien. On a été mené en premier pendant pas mal de temps, on est revenu 48 partout. On est occupé un petit peu de mal à marquer, même si j'ai quand même marqué quelques paniers, mais je dois quand même marquer pas mal de paniers, je dois quand même pas mal assumer. On va voir si, si on peut changer un petit peu ça pour prendre le dessus sur la deuxième mi-temps. Allez, si on passe par Bledsoe tout de suite en première de suite, Bledsoe à 3 points, c'est bien joué. Allez, je percute au panier, ça c'est bien joué, belle percussion là, on prend un avantage. Alors, je pars en dribble, où il n'y a personne, je suis tout seul, à 3 points, et voilà, c'est 3 points qui est planté. Oh, je prends le ballon, c'est bien joué, je suis parti, je vois Bledsoe, au panier, pouh, et le gros doc. Pour finir cette action, j'ai vu Bledsoe, mais je me suis dit, allez, je vais assurer ce panier, parce que des fois, ils peuvent la shipper. Allez, je pars ici avec Jason Davis. Je suis en dribble, tout seul, à mi-distance. Voilà, un petit panier à mi-distance. Je remonte la balle tranquillement, Jason Davis qui est perdu, Jason Davis, et je finis avec un lay-up, le défenseur qui a rien pu faire. J'ai failli contrer Jason Davis. Anderson qui rate. Et on récupère ce ballon avec mon rebond. Allez, on peut partir très vite en contre-attaque. Ils me suivent pas, ils me suivent pas, personne m'arrête. J'ai oublié le gros poster en contre-attaque. Gros poster là sur Evans. Qui a rien pu faire. On appelle un écran avec Maurice. Je vois tout seul Beasley là-bas. C'est bien joué. Beasley tout seul. Beasley à 3 points. C'est bien joué. Allez, je remonte ce ballon. Je vois Torcalou, c'est bien coupé par Torcalou, belle finition en double pas. À la fin du buzzer, je monte ce ballon, je vois Bledsoe là-bas, Bledsoe, à la fin au buzzer, c'est bien joué Bledsoe qui nous ramène à 2 points. À la fin de ce troisième carton, c'est toujours aussi chaud, toujours aussi serré, ça va se jouer dans le dernier carton. Je fais en percussion, je vois Beasley une nouvelle fois dans le coin, c'est bien joué Beasley à 3 points. C'est très bien joué ça, tout seul Beasley. Et il fait mal à 3 points. Allez, en percussion, je vois très beau ballon piqué pour Gorta. Gorta qui tremble pas et qui finit. Ouh, le bel fin de tir une nouvelle fois, je suis parti. Oui, en lay-up. Et on repasse devant au score. Un écran ici avec Gorta. Ça c'est un bel écran, j'ai au panier. Et à nouveau dunk, un très bel écran de Gorta qui me laisse libre. Oui, il y a tout seul, beaucoup d'espace. Nouveau 3 points pour moi. Et bel écran de Gorta, une nouvelle fois, je suis tout seul à 3 points. Et c'est un festival là de 3 points pour ma part, je suis chaud bouillon. Ellis, ouh, le contre sur Ellis. Et Bledsoe qui remonte très très vite ce ballon. Allez, Bledsoe qui me fait la passe. Allez, Bledsoe, on va au panier. Ça rentre ce panier. Bel écran. Thompson, on va au panier. Gros dunk là. Gros poster sur Jermaine O'Neal. Ouh, avec la faute en plus, la possibilité de rajouter un point supplémentaire sur la ligne de lancer franc. Et c'est rentré ce point.
Nouvelle fois écran avec Thompson, on passe par Bledsoe. Bledsoe à 3 points, il est chaud lui aussi. Il prend ce ballon, allez, une nouvelle fois à 3 points, je suis tout seul, c'est un festival et ça rentre pour un gros avantage de 10 points. 104-94, on est en train de détruire la Nouvelle-Orléans, quatrième carton, et le contre de Thompson, allez on remonte vite, on va vite, j'ai au panier, ouh, un nouveau doc. C'est très bien joué ça, beau contre de Thompson, ça va très vite en contre-attaque, et on finit. Allez Galagnari qui passe par moi, tout seul, à mi-distance, et ça rentre ce panier. Et voilà, je me fais sortir pour la fin de ce match. Belle victoire, 116-106, 10 points d'écart. On a plié le match tout simplement dans ce quatrième carton. Et Jackson Ellis qui est obligé de porter mes points jusqu'au VCR. On a plié ce match en quatrième carton. Ça a été très 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 serré tout le long du match. Mais au final, on a pris le dessus dans le money time quand il fallait. Gros match point par 62 points, plus de 10 passes décisives. Mes coéquipiers ont également été vraiment pas mal du tout dans ce match et une première victoire dans ce premier match des playoffs. You guys go up 1-0 with the win tonight, getting things off on the right foot in this series. How do you capitalize on that moving forward to game 2? It's good to get a win in that first game. I know we definitely felt the pressure to get it done and not have to play from behind. When you start any series out with a win, it gives you that much extra confidence moving forward. I think we just need to do everything we can to carry that forward to game 2. Et comme promis, voici la pub pour mes chaussures, celle que j'ai faite suite à ma vidéo. Dans la dernière vidéo, si vous avez vu, il y avait une cinématique qui me disait oui, t'as tes propres chaussures, tu peux les faire. Et donc je les ai fait. J'ai pas proposé la création en vidéo parce que bon, je suis pas très bon à créer des chaussures. Et puis je pense, j'ai estimé que c'était pas forcément très intéressant, mais voici la pub qui a été faite par le jeu pour ces chaussures que j'ai nommé tout simplement Zeltui Shoes. Pas de grosse imagination là-dessus, mais voici à quoi elles ressemblent, elles vont apparaître rapidement, voilà, ces chaussures. Par la même occasion, j'ai également été élu MVP de la saison régulière, ça me fait énormément plaisir, MVP de la saison avec les Phoenix Suns. Et pour finir, on a ici le tableau des playoffs avec donc une première victoire pour nous face à Nouvelle-Orléans. On a aussi les Spurs qui ont gagné le premier match face aux Nuggets. Un partout entre les Warriors et les Rockets. Et OKC ici un partout également avec les Clippers de l'autre côté. Miami qui mène face à Cleveland. New York qui mène face à Washington. Pacers qui mène face aux Nets. Et les Bulls de Chicago qui mènent 1-0 face aux Toronto Raptors. Donc voilà, je remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao !